Salam alaikum les gens, bonjour les amis, aujourd'hui on parle pour un sujet très important, très intéressant. Aujourd'hui on parle pour une personne, elle est importante, c'est le Saint Pontife, c'est le Saint Pontife, ça veut dire le Saint Pape, parce que maintenant on regarde, il y a une personne, elle est passe pour le Pape, mais c'est le faux Pape. Et la vérité, moi je parle cash. Pour un truc, moi, ça me gêne, je parle. Un truc, ça me gêne. Des faux papes, des faux saints, ça prend le pouvoir comme ça, ça passe pas. Parce que tout en gérant pendant l'histoire, c'est pas le peuple, ça choisit un pape, un prophète, un roi. C'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu et il choisit. C'est Dieu, il est déjà organisé tout. Pour tout, pour la fin des temps, pour A à Z. C'est que le roi de France, c'est qui pour tout. Il y a les gens maintenant, ça force pour tout. Le truc, les gens ont fait un tirage pour le Saint Pontife, ça veut dire le Saint Pape. On fait un tirage pour lui, parce qu'on sait, la prophétie, ça parle, et il dit le Saint Pontife, ça veut dire le Saint Pape, il viendra avec le roi de France pour la fin des temps. Il y a des prophéties, ça parle ça. Hein? Non, on fait un tirage pendant encore pour nos déformations, pour on est sûr par rapport à ça, parce qu'on sait, les cartes, ça parle la vérité. Ça parle la vérité, les gars. Le truc, les gens, je présente pour vous les cartes, comme l'habitude. Après, j'explique pour vous les cartes et les raconte quoi. Maintenant, on part où? On part un voyage dans l'univers. Après vous, va comprendre pourquoi j'ai dit on part dans l'univers. Un tirage magnifique. On sait, tirage qui le roi est, qui le saint pontife aujourd'hui 2020, et c'est qui lui exactement. Et quel des pouvoirs de lui? C'est ça, on sauve Dieu pour la fin des temps, dit martyrs, voilà. Je présente pour vous les cartes, c'est parti, si tu restes concentré avec moi. On commence pour le premier carte. Le premier carte, c'est Pégase. Deuxième carte, c'est la distance. Troisième carte, c'est la résilience. La dernière carte, ça sort deux cartes. C'est le guide, voilà, c'est que ça veut dire il y a une raison pourquoi ça sort de cartes. Ça sort comme ça, les gens. Je présente pour vous les cartes. Ça sort comme ça. Le premier carte, c'est le regard. Deuxième carte, c'est l'amour. Voilà, les gens. Voilà les gens, maintenant on part pour le tirage, on explique le tirage, il raconte quoi pour nous, pour le Saint Pontife, ça veut dire le Saint Pape, le vrai Saint Pape, parce que maintenant il y a des faux papes, il y a des papes, un pape, il est guidé, un pape, c'est Dieu choisi lui, c'est pas le peuple. C'est ça. Parce que tout le temps, je répète dans l'histoire, pour toutes les vidéos, pourquoi? Pour rentrer pour le cerveau de vous. C'est pas vous, c'est commande. C'est Dieu les commande. Parce que c'est Dieu les crée, vous. Et c'est Dieu les choisit, quel est le roi et quel est le pas roi. C'est ça, c'est clair. Le premier carte, Pégase. C'est ça, les gens, j'explique pour vous. Pégase, là on regarde quoi? On regarde, on sait, le cheval. On regarde là un cheval. Cheval,
Pégase. Pégase, ça veut dire, on savent, le cheval Pégase, on savent, c'est un cheval, il répète pour, et il est en l'histoire de lui pour toutes les religions. Pour toutes les religions, les gens. C'est ça, j'explique pour vous. Pour toutes les religions, pour toutes les religions, l'histoire de lui, il y a pour l'histoire de lui, pour l'islam, l'histoire de lui, dans le christianisme, pour toutes les religions de le monde, complet. De le monde, de l'islam, de christianisme, dans le bouddhisme, dans l'indien, de tout. De toutes les religions de le monde. Par exemple, les gens, j'ai donc pour voir un exemple. Dans l'islam, j'ai des passages écrits dans le Coran, ça écrit dans les ahadith. Ahadith, j'invente pas d'histoire dans les ahadith. Pour ça, le cheval Pégase, pour lui, dans l'islam, il y a trois noms. Il y a trois noms. Le premier nom, Borak, deuxième nom, Hizum, troisième nom, Mamoun. Le premier nom, Borak, c'est une histoire avec Abraham et Mohammed. Le cheval. Pégase, lui, il y vient pour Abraham. Le nom de lui là, c'est Borak. Borak, ça veut dire il vient pour Abraham, pour prendre Abraham, pour prendre lui à la Mecque, pour regarder Agar et Ismaël pour la maison sainte. Hein? Mohammed, aussi le messager Mohammed, il. Le cheval Pégase, ça veut dire Borak, ça, il vient pour lui à la Mecque. Deuxième histoire, ça veut dire deuxième nom de les mêmes personnes, c'est Hizum, lui, il vient pour l'ange Gabriel. Ça, je parle là, c'est, je vous explique pour le cheval. Pégase, lui, pour lui, il y a trois noms. Pour deuxième histoire, il vient pour qui? Il vient pour l'ange Gabriel. Dieu l'a envoyé pour l'ange Gabriel, pour lui partout. Dans le ciel, dans l'univers, partout. C'est ça, il prend lui partout. Hein? Troisième histoire, avec Adam. Dieu l'a envoyé, le cheval. Pégase, ça veut dire le nom de lui là, Mamoun, il est envoyé, lui, pour Adam, pour expliquer pour lui la vraie, la prière. Ça veut dire, pour expliquer pour lui la prière. Quelle prière t'as obligé? Ça veut dire la vraie prière de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Hein? Là, ça écrit l'idée, le cheval Mamoun, c'est d'ambre et de musc pur. Ça veut dire ça, le cheval Mamoun pour le troisième histoire. Lui, pour lui, il y a des parfums, il y a le musc. Ça veut dire lui, il est pur comme des prophètes, comme le Christ, comme Marie. Il est pur. C'est un cheval. Il descend pour le paradis pour venir Dieu envahir lui. Il envahit lui trois fois. On ne sait pas le vrai l'histoire. On ne sait pas combien ça le cheval. Elle descend plusieurs fois parce que pour toutes les religions, dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans l'indien, dans l'islam, il y a plusieurs fois il y vient. On ne sait pas les noms de lui, c'est quoi. Parce que pour chacun un venir de lui, et pour lui, il y a un nom. C'est ça, j'explique pour vous les gens. Aussi parce que aussi ça le cheval, il vient prendre l'ange Gabriel. Et Mohammed pour l'ange Gabriel et Mohammed le paradis après les passe haut, et le montre pour Mohammed et l'ange Gabriel les enfers. C'est ça j'explique pour vous. On savent Dieu pour chacun personne. Dieu est dans lui pour lui un pouvoir, hein, et dans lui pour lui un pouvoir. C'est ça les gens, j'explique pour vous. Écoute, écrire cheval
Mamoun et vous va reconnaître l'histoire. Parce que là, moi, si j'explique pour vous vite fait, après vous rentrez en Google, écrire cheval Mamoun, après vous va-t-on pour l'histoire. Là, on regarde quoi? Là, on regarde c'est le saint, le saint, le c'est le saint, c'est le saint pontife. C'est le saint, ça veut dire c'est le saint pape. C'est le saint pape. C'est le saint pape. C'est ça, j'explique pour vous. Le travail de Louis à l'époque, c'est ça. Le travail de Louis à l'époque, c'est ça, les gars. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est ça, c'est ça. On parle la vérité. Parce que pour nous, il est préservé. On sait ça. Pour lui, le saint pape, le vrai, le saint pape, il viendra pour avec le grand monarque. Ah, excusez-moi, avec le roi de France. Parce que j'ai déjà parlé avec vous pour le grand monarque, roi de France. Maintenant, j'ai mélangé. Excusez-moi, les gens. Le saint pape, il vient pour la fin des temps avec le roi de France. Parce que la prophétie, ça parle. La prophétie, ça parle. Ça veut dire, le saint pape, pour lui, il y a plusieurs vies. Il y a plusieurs vies. Ça veut dire, lui, il est déjà reconnaître l'ange Gabriel, déjà reconnaître Abraham, déjà reconnaître Mohammed, déjà reconnaître Adam, et plusieurs prophètes. C'est ça? J'explique pour vous, parce que voilà. C'est ça, j'explique pour vous. Et là, on regarde quoi? On regarde là, on regarde le saint pontife, le saint pontife, elle présente l'univers. Elle présente l'univers, parce qu'elle présente l'univers et les étoiles, parce qu'on regarde les étoiles, hein? On regarde les étoiles. C'est ça, j'explique pour vous, les gens. C'est ça, j'explique pour vous. Maintenant, on part pour la deuxième carte. Encore et dans quoi parlons encore plus pour le saint pontife. Le saint pontife, ça veut dire le saint pape, le vrai saint pape de la fin des temps, saint et pur. C'est ça, Jésus saint pour lui, le mesque, le vrai mesque. C'est ça, j'explique pour vous. Maintenant, la deuxième carte, c'est la distance. La distance, là, les gens regardent quoi? On regarde la main de Dieu, ça montre pour le saint pontife, le saint pour servir le saint pape, on lui montre pour lui, pour les mains, et les leurs pour toi, pour partir pour la terre. Elle est l'heure pour toi, pour partir pour la terre. C'est ça, parce que Dieu, ça, il est l'heure. C'est la fin. C'est la fin, les gars. Parce qu'on regarde maintenant. Les gens, ils ne croient pas à la fin. C'est des mécréants. C'est des mécréants. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour le plan de Dieu. Ça veut dire qu'on appelle des mécréants. C'est ça. Dieu, maintenant, ça montre pour les mains. Maintenant, vas-y, partent. Vas-y, partent maintenant pour la planète Terre. C'est ça, la planète Terre. Ça veut dire, vas-y, partent pour la planète des humains. Elle est l'heure pour toi. C'est la fin des temps. C'est la fin des temps. Maintenant, c'est le moment pour toi pour préparer. C'est ça. Et le truc, les gens, j'ai trouve très très énorme. La première carte et la deuxième carte, il y a des étoiles. Après, j'explique pour vous, ça veut dire quoi ça. Et là aussi, là, on regarde quoi? On regarde le soleil. Les rois de France, on présente comment? Avec quoi? Les vrais rois de France, avec le soleil. Pourquoi on présente avec le soleil? Parce que le roi de France, il est pur. Le roi de France, il est blanc. Et il est blanc. Un hébreu, on sait, un vrai hébreu, il est blanc. On sait Marie. Marie, elle est blanche. Elle est blanche, blanche, fort. Lumière, ça veut dire la pureté. La pureté, c'est ça pourquoi on a tous les rois, les vrais rois de France, on présente pour le soleil. Pourquoi on présente pour le soleil? Parce qu'il est pur, il n'y a pas de sale, il est parfait pour à la tête, à le pied. C'est ça, j'explique pour vous. Et là, on regarde quoi? Là, ça explique, explique pour nous les quatre, parce qu'on regarde là le soleil. Ça explique non, encore plus, c'est vrai. La prophétie, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le saint pontife, il viendra avec le roi de France pour la fin des temps. Il est l'heure maintenant. Il est l'heure. C'est ça, j'explique pour vous les gens. Maintenant, les gens, on part pour la troisième carte. C'est quoi la troisième carte? C'est la résilience. La résilience, les gens. La résilience, là, on regarde quoi? Là, on regarde le système. On regarde là le système stellaire. Pourquoi on regarde le système stellaire? Le système stellaire, là, on regarde les étoiles. Et le truc, pour les trois cartes, on regarde l'univers. L'univers, on regarde la planète. Parce que pour les trois,
les trois, le premier carte, la première carte et la deuxième carte, ça montre pour nous l'univers et la planète. Et là, on regarde quoi? Aussi là, on regarde l'univers et la planète. On regarde pour les trois cartes, ça veut dire quoi? On regarde l'organisation. L'organisation. Ça veut dire l'organisation. Ça veut dire là, on regarde pour les étoiles. Dieu, il prépare les étoiles parfaitement. Parfaitement. Ça veut dire pour les étoiles, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et là, on regarde quoi? On présente des lions, des géants. On présente beaucoup de choses là. On présente beaucoup de choses. Parce que ça, là, c'est quoi? Là, c'est le signe de les étoiles. Bon, les étoiles, pour on commence à regarder beaucoup de choses. C'est comme on appelle, j'explique pour vous encore de plus, le logiciel Stellarium. Écrire là dans Google vous va tomber pour installer ça pour le téléphone de vous, hein, pour YouTube et pour le PC de vous, hein, ça dépend quelle marque avec vous. Installez-lui parce que il y a beaucoup de serveurs doués, il connaît pas ça. Pour j'aider installer pour le téléphone, hein, n'importe quel truc avec toi à la maison, pour voilà ça installer et regarde parce que il y a beaucoup de choses dans l'univers. Et là on regarde quoi là on regarde c'est quand ça dit Jean d'aller parce que l'univers il est parfait. L'univers tout carré. On regarde les étoiles carré, tout carré. La planète pas du tout. C'est ça parce qu'on regarde. Tout le monde ça regarde pour la planète. Pourquoi ça regarde pour la planète? Parce qu'ils savent qu'il y a un grand bordel. Il y a un grand bordel. Parce que là on regarde aussi là. Le cheval. Pégase, ça veut dire le Saint-Pape de la fin des temps. Regarde aussi lui, il est déjà travaillé dans l'univers. Et là, tout le monde, ça regarde dans la planète. Pourquoi Dieu, il laisse tout ça, les dessins comment j'explique ça, sur l'univers. Les gens, regarde pour vous un reportage. Reportage des lions. Regarde un lion et les porcs pour Diane. Là, ça donne pour vous tout. Là, on regarde la planète et les porcs un grand bordel. Un enfant s'est déplacé. On savent là, il y a un grand bordel. Hein? C'est ça, j'explique pour vous. Pour où il y a tous les péchés là. Là, on savent, il y a un grand bordel. Hein? Il y a tout. Maintenant, même pas les animaux, il est déjà touché pour ça. Il est déjà touché. Aussi les animaux, c'est pas la faute des animaux, c'est la faute des humains. Des humains, il est nique tout. Dieu, il les laisse un peu le temps, il regarde. Les humains, sont capables de quoi? Mais laisse tomber. Et il fait un carnage. C'est ça. Dieu les marre maintenant, voilà. Dieu lui-même, et le nettoyage avec les saints de lui. Avec le saint de lui. C'est pas pour rien que Dieu envoie des martyrs de lui. Pourquoi Dieu envoie des martyrs de lui? Pour aussi les martyrs de lui, il fait des nettoyages. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Ça dit, Dieu il juge. C'est Dieu il juge. C'est pas. Et pourquoi Dieu envoie des martyrs? Ah! Dieu, ça envoie des martyrs pour vous, les salopes. Hein? C'est ça, j'explique pour vous. Aussi, les saints, c'est des juges.
c'est pas pour des saints, des martyrs, ça prépare les enfers, présente les enfers et le paradis pour les mains. Hein? C'est ça, j'explique pour vous. Le Saint-Pape, il y a des pouvoirs pour lui. Il y a des pouvoirs. Les faux papes, il dit Dieu les pardonne pour toi. Mais il n'est pas bien guidé. Mais un vrai Saint-Pape, il détoie la vérité. Il ne prend pas l'argent pour le peuple. C'est quoi? Pour lui, pour semer pour Allah, c'est ça. Ça veut dire travailler parfaitement. C'est ça. Et là, on regarde tous les signes dans l'univers, ça veut dire les étoiles dans l'univers. On appelle le système stellaire. Ça veut dire tout carré dans l'univers. Mais la planète, non. Et c'est ça pourquoi le saint pontife, il est là. Pourquoi il est là? Pour le nettoyage aussi, lui. Pour le nettoyage. C'est ça, j'explique pour vous les gens. Et là, on regarde une autre chose. Regarde bien ici. Là, on regarde quoi là? On regarde deux choses là. On regarde quoi deux choses là? Ça veut dire quoi ici ça? Là, ça veut dire le saint pontife, ça veut dire le saint pape et le roi de France. Et le roi de France. Parce que pourquoi? On sait le saint pontife, c'est une personne en connexion avec l'univers. C'est une personne et lui spécial ok pour l'univers. Et le roi de France, on regarde quoi? C'est une personne ok pour la terre, spécialement. Hein? C'est ça, j'explique pour vous. On sait pourquoi la prophétie, ça parle. Le Saint-Pape, ça veut dire le Saint-Pontife, il viendra avec le roi de France pour la fin des temps. Prophétie, pourquoi? Il vient avec lui, pour nettoyer avec lui. Nettoyer avec toi le bordel. Parce que le Saint-Pontife, l'univers, il est parfait. L'univers, il est parfait. Maintenant, c'est la planète. C'est le grand problème. C'est pas pour rien qu'il vient d'eux. Parce qu'il vient pour Edloui. C'est ça. Et le truc, j'explique pour vous, un truc, ça va être chaud. Regarde bien. Le Saint-Pontife, il ne vient pas comme un cheval. Comme avant, à l'époque d'Abraham, de Mohammed, de l'ange Gabriel, avec l'ange Gabriel, avec Adam. Non. Parce que la plante est déjà sale. Il est déjà très, 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 très sale. C'est ça. Ils savent. Le cheval. Pégase, ils savent ce qui se passe pour les saints. Ils savent tout ce qui se passe pour les saints. Ils savent ce qui se passe pour les saints. Hein? Dieu, il n'envoie pas les saints de lui pour la fin des temps. Dans la mort. Non. Pour couper morceau comme avant. Non, ça passe pas pour la fin des temps. Ça passe pas. Le regarde. Regarde là, les gens là. On regarde quoi ici? Ah. Là, on regarde le Saint-Pape. Ça veut dire le Saint-Pontife. Il vient là pour la fin des temps. Comme l'histoire Marie avec l'ange Gabriel et le Christ. Hein? On sait l'ange Gabriel, il est déjà présente. Elle est déjà présente pour la mort. Présente pour la mort de Christ. Hein? Pour le Christ. Et c'est la même histoire. Là, on regarde quoi? Là, on regarde le Saint-Pape, ça veut dire le Saint-Pontife. Elle est transformée en humain. Parce que c'est Dieu qui transforme en humain. Parce qu'il ne risque pas. Il ne risque pas pour les martyrs de lui comme ça. C'est ça, j'ai dit, Dieu, il reste tout le monde. Ça veut dire, là, on regarde quoi? On regarde le Saint-Pontife, il est là pour un corps d'un humain. Un corps d'un humain. C'est ça, j'explique pour vous. Il ne vient pas comme avant, à l'époque, comme un cheval. Non, ça passe pas. Parce que là, il vient pour regarder. Regarde, et on regarde le regard de lui, c'est une personne. Il vient servir tout. Qu'est-ce qui se passe? Il regarde tout. Parce que cette personne, il voyage dans l'univers. Mais aussi, cette personne, il voyage dans la planète. Dans la planète, la Terre. Il y a des pouvoirs pour lui.
Il y a des pouvoirs. Ça veut dire que c'est une personne qui calcule tout. Il regarde partout qui se passe. Partout qui se passe. C'est ça, j'explique pour vous. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Le cheval, c'est pas pour rien. Le cheval Pégase, dans l'histoire, ça veut dire qu'on appelle en islam. Izon, ça veut dire déjà montre pour l'ange Gabriel et Mohammed le paradis après les enfers. Ça veut dire que c'est une personne qui présente le paradis et les enfers pour les mains. C'est un juge. C'est un juge. Et là, on regarde, voilà. On regarde, là, on regarde comme un masque, mais on regarde un masque, ça veut dire que on regarde, c'est comme c'est une personne. C'est comme on regarde une personne de pouvoir. De pouvoir, ça veut dire pour les yeux de lui, il les capte tout. Il les capte directement. Directement, n'importe quel, il les capte directement. C'est une personne, il les regarde tout. Il les regarde tout. C'est une personne, il ne rigole pas. Parce que pourquoi? Parce qu'on regarde. On regarde la présente de lui. On regarde les yeux, comment il les présente. Tout. Tout. C'est ça. C'est ça. J'explique pour vous, les gens. C'est ça. J'explique pour vous. La carte, il est à côté de lui, de l'amour. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire quoi, là? Regarde-la bien. C'est une personne. Le Saint Pontife, c'est une personne. Il vient pour le paradis. C'est une personne, il est déjà avant dans le paradis. Hein? Dans le paradis, il est là. Et les plus, il y a des papillons. C'est une personne vrai français. Un vrai français. C'est ça. Français pur, sa mère. Ça veut dire pur. C'est ça. Ça veut dire il n'y a pas de ça. Un français, c'est pas un étranger. Un français. C'est ça. Aussi là, ça explique pour nous quoi? C'est une personne, il vient, regarde, c'est quoi ça la mort de l'Izima de maintenant. Il vient, regarde. Parce qu'ils savent un truc. Ils savent, dans le paradis, habite l'amour. Il y a l'amour pur. Là, il regarde, est-ce qu'il y a de l'amour? Mais non. La réponse, non. Parce que pourquoi? Parce que tout le monde, maintenant, il devient vraiment des hypocrites. C'est ça. C'est pas pour rien. Dieu, ça envahit le Saint Pontife pour la fin des temps. Pourquoi ça envahit le pour la fin des temps? Pour donner l'amour pour les saints. Il y a des saints et les dents. Ils savent, les saints, ils souffrent 24/24. Pourquoi? Parce qu'ils savent, les personnes ne connaissent pas le vrai amour. Ça veut dire quoi le vrai amour? Une personne parle pour l'amour, toi, Lydie, exagère pas. Et c'est une personne vraiment pour le nier, ça veut dire que c'est une personne vraiment parle pour le cœur. Vraiment, il y a les gens qui parlent pour la mort et directement les pensées l'apaisent. Directement l'apaisent. Mais dans le paradis, le vrai amour, ça veut dire le vrai amour. Un vrai. J'ai même pas parlé parce qu'il est très 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 haut. Le vrai amour de paradis, très très haut. Là, le saint pointu, c'est-à-dire le saint pape, la sainte personne vient, regarde. Il est, on se remet en humain. Il est là. Il regarde tout. Il n'y a pas de l'amour. Il regarde. C'est quoi ça l'amour? C'est quoi ça l'amour? Et là, on regarde. C'est comme un oiseau. Il descend pour l'amour. Pour les saints, c'est la première chose. Pour les saints. Parce que les saints, ils sont vraiment très, très manque de l'amour. Ça veut dire l'amour. L'amour, ça veut dire l'amour comme à l'époque du paradis. À l'époque, le paradis, il y a l'amour pur, il y a l'amour magnifique. Et là, on regarde le Saint Pontife, c'est-à-dire le Saint Pape, va donc pas l'amour pour n'importe quel. Parce qu'il est guidé pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, j'explique pour vous. Là, on regarde, c'est un vrai français, c'est un putain français. C'est ça, j'explique pour vous, les gens. Maintenant, ça explique pour nous. Le Saint Pape. Le pape, ça veut dire le saint pape des christianistes. Des christianistes, ça veut dire présente les christianistes. Ça, on parle pas pour aujourd'hui de ça, le personne. Parce que je sais, il est impur, il est pur pour un démon. C'est ça. Le truc, un vrai pape, il prend pas l'argent. Il fait sabille, la vraie sabille. Ça veut dire, ils savent, l'argent, il sert à rien. Il ne sert à rien. C'est ça, j'explique pour vous. Le Saint-Pape,
on savait qu'il viendra avec le roi de France. Pourquoi il vient avec le roi de France? Pour le nettoyage. Pour le nettoyage, et il vient aussi pour regarder le monde, comment il vient. Parce que aussi, il vient pour des prophètes. Hein? Il vient pour des prophètes. Il vient pour des prophètes, pour servir, pour regarder. Est-ce que déjà travaille parfaitement? Parfaitement. C'est pas pour rien, on regarde. Dieu envoyé. Le cheval, ça veut dire Borak, pour Abraham et Mohammed, encore pour l'ange Gabriel, encore pour Adam. Ça veut dire que c'est une personne très importante. Ça veut dire très, très, très important. Ça, c'est une personne, Dieu l'a choisi, lui, parfaitement. Hein? Parfaitement. Aussi, lui, vient, surveille, regarde. C'est qu'il déjà travaille et c'est qu'il déjà travaille pas. C'est ça, j'explique pour vous. C'est ça, j'explique pour vous, les gens. Hein? Parce que pourquoi j'ai dit ça? Parce que tous les martyrs ressuscités pour la fin des temps, tous les prophètes ressuscités pour la fin des temps, le paradis va descendre sur la terre. Hein? Et ça, le cheval, ça veut dire le saint, pendu, ça veut dire le saint peuple de Dieu. Et il vient, regarde. Est-ce qu'il est vraiment travail? Mais par contre, j'ai déjà expliqué pour vous, et déjà montre pour Mohammed et l'ange Gabriel, le paradis et les enfers. Ça veut dire que la personne, c'est un juge. Ça, il est capable pour envoyer un prophète pour les enfers. N'oubliez pas ça. C'est de pouvoir, c'est Dieu de donner ça le pouvoir. Pour chacun, un prophète, un pouvoir. Mais Dieu donne le pouvoir. C'est clair, lui, il est juste. Ça veut dire qu'il n'y a pas de hagra, il n'y a pas de ça. Travaille pas la chute directement. C'est clair, c'est ça, c'est clair. Hein? C'est ça, j'explique pour vous. On sait maintenant, le saint pape, ça veut dire le saint. Ça veut dire, à l'époque, il est déjà. Le vrai Louis, c'est qui? C'est le cheval Pégase. C'est ça. Trois noms de lui dans l'islam, ça veut dire dans le hadith, ça parle de lui. Dans les christianistes, je ne sais pas quel nom il donne pour lui. Voilà, dans le bouddhisme, je ne sais pas. Toutes les religieuses, il y a un nom différent. Ça veut dire que ce n'est pas il ment. C'est comme ça, c'est le pouvoir, c'est comme ça. Dieu décide pour lui. Avec chacun personne, un nom. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Voilà les gens maintenant. J'ai déjà expliqué pour vous. On arrête ça pour un nouveau vidéo. Inch'Allah. Bihawlillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La prophétie, elle est claire. Elle est vraie. La réponse, ça répond non. Il viendra avec le roi de France. Pour là. C'est ça. Il vient pour le nettoyer. C'est ça. Il est présent, c'est un juge. Départ. C'est Dieu et le juge. Non, ça veut dire Dieu. Pourquoi ça envahit des saints? Pour juger vous. C'est ça. C'est comme, parce que c'est pas pour rien Dieu l'idée. C'est comme vous, fait le mal pour les prophètes, c'est comme fait le mal pour moi. C'est comme vous. Insulte des martyrs, insulte des prophètes, c'est comme vous, insulte moi. C'est ça, j'explique pour vous. Dieu, ça envahit, aussi peut envahir des prophètes pour juger vous. Des martyrs de la fin des temps pour juger vous. Et pour la fin, obligez-vous, accepte pas gentiment, va accepter forcément. C'est ça, on arrête ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.